Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez donner les droits en écriture sur un fichier de votre Google Drive à quelqu'un d'autre. Pour ce faire, rendez-vous sur Google Drive. Nous allons donc créer un petit fichier exemple pour la vidéo. On va l'appeler par exemple en une minute exemple. Maintenant, si je sélectionne le lien, que j'ouvre une fenêtre en navigation privée pour simuler quelqu'un d'autre, et que je viens coller le lien que je fais entrer, vous voyez que Google ne m'autorise pas à accéder au fichier. Il me demande de me connecter à mon compte. Évidemment, si je me connecte à mon compte, j'y aurai accès. Mais si quelqu'un se connecte à son compte Google à lui, eh bien, il n'y aura pas accès non plus. Donc, pour permettre à quelqu'un disposant du lien de pouvoir accéder au fichier et également y apporter des modifications, vous retournez sur votre fichier, vous cliquez sur « Partager » en haut à droite, puis vous cliquez sur « Remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien ». Ensuite, juste ici, au lieu de choisir « Lecteur », vous choisissez « Éditeur », vous cliquez sur « Copier le lien », puis « Terminer ». Maintenant, si je retourne sur une fenêtre de navigation privée et que j'essaye d'accéder au fichier, cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Et en plus, je peux y apporter des modifications. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.